Vas-y, dégage-toi, 49. Moïla. Hola chicos, c'est Noéla, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau prank. Et là je vous ai préparé du lourd. En fait là j'ai pas beaucoup de temps pour vous dire, pour vous expliquer, parce que ma meilleure amie est partie faire les courses. Et en fait là je suis chez elle. Et en fait quand elle va arriver, je lui ai promis de lui faire sa couleur. Elle a en fait, si vous voulez, un genre de balayage blond. Et elle en a marre, elle veut se refaire brune. Sauf que Nono, elle a plus d'un tour dans son sac. Et j'ai décidé de lui faire à la place ça. Et en fait cette couleur rose flash de ouf. Et comme je sais que de toute façon elle va faire brune, elle a rien à perdre. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que pour pas qu'elle grille la caméra, parce que je sais pas du tout où la cacher chez elle, je lui ai fait croire que je vais faire une vidéo pour ma chaîne secondaire où j'explique comment faire une coloration soi-même. D'ailleurs si t'es pas abonné à ma chaîne secondaire, je te la mets en description. Dans cette chaîne vous trouverez beaucoup de vidéos lifestyle, un peu beauté, donc c'est surtout pour vous les filles. Et aussi bah, si t'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant et activer la cloche pour avoir les notifications. Les gars, elle est en bas, elle vient juste de sonner la porte, donc là je vais lui ouvrir. Ça, je vais le cacher. Donc elle m'a mis toutes les trucs comme ça là pour faire les couleurs. Donc je vais faire genre je fais le mélange avec ça, mais en fait je vais mettre du rose. J'ai fait exprès de pas mettre de miroir et au moins elle verra rien. Et j'ai ma complice Sabrina, viens Sabrina. Donc Sabrina c'est aussi une amie et c'est sa cousine qui est complice avec moi. Donc elle va jouer le jeu, elle va faire en sorte. Tu fais vraiment gaffe qu'elle regarde pas ses cheveux. T'inquiète même pas. Parce que j'ai peur, là, je sens un carnage. Elle va vraiment péter un câble, donc restez connectés. J'arrive de suite avec elle, on va faire une fausse intro. Ça y est, je filme. Alors, c'est ta première vidéo. Alors, attends. Non, mais t'es un peu peignoir, wesh. Elle est en peignoir pour sa première vidéo. Il faut regarder ici. Hein. Ah, d'accord, ok. Si tu regardes là, en fait, tu regardes que toi. D'accord, ok. Donc, je vous présente ma meilleure amie, Laurie. Hola, chicos, c'est Noéla. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec... Pour la crédibilité de cette vidéo, j'ai été obligée de couper certains moments, donc c'est normal, vu que c'est super long de faire une couleur, j'ai fait un peu semblant d'expliquer à la caméra ce que je faisais. One eternity later. Y a marqué quoi sur la couleur, là, s'il te plaît? Il faut faire comment d'abord? Il faut se laver les cheveux avant ou après? Y a marqué quoi? Sur le tube noir, là. Mais ça, c'est un oxydant. Non, pas celui-là, l'autre tube. Ah, lui! Ah, ben oui, je suis bête. Donc ça... Alors, sur l'autre tu l'as écrit quoi? Attends, si je lis à l'envers, c'est quoi, c'est écrit en allemand? Ah, attends, non, italien. C'est bon, t'inquiète, je gère le mélange, je gère. Okay. J'ai l'habitude, c'est moi qui te fais tes couleurs. N'oublie pas, hein, qu'elle a le verre aux heures, hein. C'est bon. Je vais faire le mélange. Et quand tu vas faire le mélange sans les pinceaux? Autant que moi. Alors là, on est mal barré. Si elle commence comme ça, on est mal barré, je vous le dis. Elle a vraiment une confiance aveugle. Bon, t'as toujours pas du papier d'alu parce qu'on en a vraiment besoin. Eh ben non, j'en ai pas. Non seulement j'en ai pas, et en plus de ça, t'as expliqué ton truc que bizarrement il faut recommencer. Hein. Ouais, mais attends, non, t'inquiète, ils savent. Après, moi je fais mes cuts et tout. Et là, en fait, les explications, je vais genre faire des écritures en dessous. Bon, bah écoutez, hein, pendant ce temps-là, je me caresse les cheveux. A few moments later. Parce que là, comme on n'a pas de quoi se poser. Allez, heureusement, il y a Sabrina qui m'aide. N'oublie hein. Pas de me coiffer parce que je les ai pas coiffés, ils sont dans un état. Tiens, je sais pas. Merci. À quoi ça sert. C'est une pince. Tiens. Attends. Attends. Deux secondes. Donc ça c'est... Ok, tu m'as mis la pince. Ah, ouh là là, que je me mette pas du noir de partout. Ben donc non. C'est quoi? C'est châtain. Ouais, c'est châtain foncé. Châtain, c'est bon. Ouais, c'est châtain. Très foncé. Grave. Ça sera plus uniforme. Mais j'ai l'habitude que tu me le fasses, mais ça fait tellement longtemps que tu me l'as pas fait que j'ai l'impression que... Je sais pas où je vais là. Alors ne t'inquiète pas. De toute façon c'est du noir donc on va pas... Non mais c'est ce que je dis, c'est pour ça en fait, il y aura pas de ratage. Alors... Oh putain, je vais m'en mettre partout. J'ai peur de me tâcher moi les chaussures et tout, j'aurais dû mettre mais tes pantoufles. Mais je les ai mis là-bas tes pantoufles. Ouais, bah je suis con, je les ai pas mises. Alors... Tac. Je pensais qu'elle se rendrait compte à ce moment-là, mais non. Alors maintenant, c'est bon Sabrina, tu peux l'emmener là-bas. Attends, ne bouge pas parce que je vais te refaire un truc, deux secondes. C'est bon ma Lolo, on va se mettre sur la terrasse. Lolo, non, c'est ça, Lolo tu bouges pas, voilà tu peux montrer. Tu as fait la couleur, bon il n'y a rien de fou, hein, c'est juste comme ça. Bon elle voit pas, mais bon on va aller se poser tranquille le temps de la pause. Et on allez c'est parti. Allez, à de suite.
Je vais vous prendre juste quelques secondes pour vous parler d'un produit qui m'a été envoyé par Manscaped. Alors c'est cette tondeuse qui est spécialement conçue pour toutes les zones de votre corps et aussi pour les endroits précis et également pour les parties, vraiment toutes vos parties du corps. Elle est dotée de la technologie Skin Safe. Elle a des lames en céramique ultra précises et qui empêchent toute coupure. Elle est vraiment géniale cette tondeuse. Vous avez également un sabot pour ceux qui veulent simplement couper des poils sans forcément les raser à blanc, donc elle est réglable comme ceci. Elle est également dotée d'une LED light qui permet de voir vraiment avec précision chaque zone que vous rasez, mais aussi elle est waterproof pour pouvoir l'utiliser sous la douche. Donc si vous choisissez de commander le pack performance, vous aurez aussi également plusieurs cadeaux à l'intérieur. Donc déjà dans le pack, vous avez bien entendu les produits qui vont avec, donc ça c'est spécialement pour les hommes, et vous avez ce produit là, voilà, un après rasage. Vous avez aussi à l'intérieur de ce pack le rasoir rotatif spécialement pour le nez, mais aussi deux cadeaux comme la trousse de voyage, mais aussi un caleçon pour vous les garçons en microfibre. Et j'ai un code promo pour vous, j'ai un code promo de -20% sur tout le site internet ainsi que la livraison qui vous est offerte. Je vous mets tous les liens du site internet en description. Je vous laisse aller voir ça et on va reprendre la vidéo. Allez, c'est parti, on va rincer tout. Attends ça. Attends deux secondes, ça met du temps à l'allumer. On est bon. Allez, donc on va rincer pour qu'elle ait enfin le résultat. Donc vas-y ma Lolo, tu devrais peut-être enlever ton équipement. Attends, je t'enlève, moi je t'enlève. Incroyable, ça n'est toujours pas rendu compte. Bon là tu vois rien, c'est normal. Bon de toute façon tu le verras que une fois que tu auras rincé. Parce que là tu vas rien. Laurie, tu me fais grave confiance. Je vais voir comme résultat vu que tu vas fermer les yeux. Mais tu veux. Pourquoi c'est rose? C'est pas rose. Non, non. Pourquoi c'est rose? Putain de merde, qu'est-ce que j'ai à faire? Vas-y, sors. Vas-y, coupe la caméra de merde, là. Vas-y, casse-toi. Mais non, mais... Putain non. De merde, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde ce que t'as fait, putain, je suis rose, bordel. Je vais faire comment maintenant pour le travail demain, putain? Mais vas-y, dégage, dégage. Mais dégage, Lolo, dégage, là, dégage, ça crée pas, Lolo. Dégage, coupe ta caméra. Mais non! Mais elle va me. Mais. Laurie! Rose, je te jure, je l'ai fait parce que je savais que tu te faisais brûler! Mais je savais que t'allais faire brûler! Vas-y, dégage, je veux pas te voir, je te jure, je vais te tuer! Attends, je finis de me rincer! Attends! Non, Laurie, pardon! Non, y'a pas pardon! Y'a pas pardon, coupe-moi ta caméra! Je te jure, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais arriver au travail quand t'as des cheveux roses? Mais c'était un prank, Lolo! Mais un prank de quoi? Y'a pas de prank sur moi, on l'avait déjà dit! Putain! Mais c'est pas chiant! Mais c'est pas. Mais je te jure, je vais te faire ta vraie couleur juste après, promis! Mais quand? Mais. Tout à l'heure, je la refais! Y'a intérêt? Mais c'est pas grave, au travail! Laurie, en fait, je t'explique, c'est une coloration. Comment ça va? L'autre tube, il est où? Ben, je l'ai pas utilisé. En fait, je te jure, en fait, je sais même pas comment je t'ai pas vu. On l'a fait quand t'étais en train de te rincer, tu étais de passe et je t'avais dit de pas revenir. Mais on voyait pas, c'était noir. Mais je te jure, je pensais que t'allais me griller d'avant à fond, quoi. J'attendais que tu grillais pas. Vas-y, sors de la sorte. Je te jure, ça part à l'eau, au bout de 4 shampoings, ça part. Et au d'accord, ok, je vais dire quoi, mon patron, ça va partir au bout de 4 shampoings. Mais tu fais chignon. Oui, chignon rose, ouais. Avril Lavigne de Wish, ils vont dire. Oh mais c'est meuf. Mais j'en ai marre de toi, mais c'est pas possible. Mais je suis obligée de toucher ça. Je vais changer d'amis. Sérieux, mais c'est quoi ce bordel? Je te jure. Une petite solution. Attends, j'ai une solution. Je pourrais avoir un shampoing s'il vous plaît? J'ai une solution. Un shampoing, je sais pas quoi. Vas-y, dégage toi, 49. Ma femme, moi là. Dégage, dégage de là. Dégage, vas-y, allez, c'est bon. Ciao. Je vais essayer de filmer quand ce sera fini. Ça fait rose. Putain. J'appuie là, ça marche. Putain de. Bon, ma Lolo, tu es contente? C'est un prank. Oh, je te jure, je vais te refaire brune, on s'en fout. Ça abîme pas le cheveu. Bloc Instagram, bloc à Facebook. Je crois que j'ai perdu une amie. Ah, c'est plus que sûr même. Mais, sinon, regarde, je te vois devant mon patron demain, tu lui expliqueras ton prank. Ça va, tu me connais quand même. Oui, c'est ça le problème.
Mais non, moi je trouve ça joli. Ça va, ça fait pas moche. Non, ça fait Avril Lavigne de Wish. On adore, ça a tout bavé. Non, mais après, franchement, ça va. Il y a pire et tu vas te Ok, il n'y a pas de soucis. Mais c'est quoi? Je vais me venger. Mais attention. Non.